concurrents de cette 4L sont les membres du comité des fêtes de Lumière. Le pied de la balance, là, le pied de la balance, là. Voilà, super bleu. Je vais ici, sur le tracé de lumière, c'est parti pour jouer à l'essai. Deuxième voiture du groupe FC qui sera suivie par une très très belle Dauphine Proto, qu'on a encore eu dans la course de aujourd'hui, pilotée par Miguel Vidal. Alors, si on peut redescendre pour Patrick Giboulet. Piloté par Stéphane Gagliussi, voiture numéro 136, au couloir de la Cirebois, des Bosifayer et d'Energeco. Benjamin Vialli et ce très très beau Zinca CG700. Belle manière en perspective également. C'est pour quelques-unes, notamment celle que vous allez voir dans quelques instants. Cette belle matra de le dieu numéro 135 qui le défend. Décoration réalisée par la carrosserie Sagnard. Allez, c'est parti également pour Sébastien. On va maintenant les deux derniers concurrents du groupe FC, donc les deux premiers CG, celle de Christian Genet, vous allez voir dans quelques instants. Christian Genet. Automoto nautique distribué par N2S. Elle est d'ailleurs très très belle, cette voiture de Yuan Alpha Elite, très performante également. Elle est aux couleurs du garage Châtaignon, le restaurant. Raphaël Majeur et Laïs. 292, il a perdu du 38. Johan. Il est troisième au classement du championnat automne. Puisqu'après
Bien entendu, Daniel, c'est Christophe Demar qui est sur la ligne au volant de cette belle Opacilic VTI. Alors, on va continuer avec quelques chronombres. Daniel Demar est la Honda Intégrale 24-200. Le temps de Christian Sepcha, BMW 3565. Christophe Demar. Pour Pascal, et on va attendre la suite du problème, alors le premier concurrent. Sur orbite, il est bien parti, Louis Angeon. Et Louis Lopez aussi est parti, si vous voulez, de ces deux, on ne peut pas savoir la voiture du touriste. Du groupe N avec Sébastien Lemaire, donc une 17-076. Pascal Kat, une 16-679, ils perdent 12 du temps. Je crois que c'est important de noter, la plupart des performances sont en retrait. Nous accueillons Jean-Pierre Clay. Et là, on va. Est-ce que j'ai d'autres performances ou les premiers temps du groupe A? On va voir que Pascal Kat. Chabanas, c'est la Renault Clio 2 Cup, Noël Chabanas, aux couleurs de Jeannette Neu. La calle également, c'est un Chabanas que l'on voit régulièrement dans les épreuves. Voilà Jean-Michel, tu parlais de Rémi Bernard, et bien il est sur la ligne Rémi Bernard, à cette belle également CATM Super Copa, voiture numéro 49, donc le couleur de Alors que sur la ligne attend Philippe Pelge, la belle Renault Mégane Ticard. Parti Alex Cosson, le jeune pilote leader du challenge espoir. Il a gagné plusieurs reprises. Du classement des espoirs Top Montagne. Vainqueur à la forêt, vainqueur. D'ailleurs, il est un petit peu en avance, mais c'est pas grave, on va pas lui en vouloir. Alors voilà, Tony Guillon derrière lui, on verra Michel Lamiscard. Avec le frein à main qui était resté bloqué, il ne pouvait pas partir, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça s'est arrangé, il est alsacien bien sûr, Christian Schwitter, sur cette superbe voiture. Oh,
Victor Silvano, Fabien Bonduban et la belle Tourba, Alpha, Monsieur Rouba. Marcel Saint-Marcel, 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 Marcel Saint-Marcel,